Shalom, dès que vous êtes connecté, vous partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis posé un peu tranquille pour faire ce direct parce que, on dit, comme le dit la Bible, l'esprit est disposé, mais la chair est souvent faible. Il y a des moments où on a besoin de repos. Il y a des moments où on a besoin de poser son corps. Alors, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés, je vous recommande de partager ce direct. Je vais juste prendre quelques minutes avec vous, un petit moment avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne suis pas allé m'installer au bureau. Je ne suis pas allé m'installer au bureau aujourd'hui. Parce que je voulais me détendre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Permettez-moi de faire mes partages et puis je vais commencer. Voilà. Je finis mes partages et puis je commence. Que Dieu vous bénisse. Partagez comme moi. Je profite de ce direct-là pour remercier tous mes enfants spirituels. Tous ceux qui sont reconnaissants, qui bénissent ma vie, qui bénissent mon ministère, je profite pour remercier tous ceux qui sont fidèles sur les directs, qui partagent, qui mettent des cœurs, et tous ceux qui me surprennent avec les offrandes, tous ceux qui me surprennent avec des dons, des offrandes, que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Alors ce soir, veuillez vraiment m'excuser de ce que je suis à... Je ne suis pas couché, hein. Je suis juste détendu pour faire ce direct. Je voulais bien aller au bureau, m'installer dans le sanctuaire, dans mon lieu de prière, pour prier avec vous. Mais je suis un peu fatigué. Après tous les combats spirituels que nous avons mené, tous les combats spirituels que nous avons menés contre la sorcellerie, tous les... Parce que après les directs, j'ai aussi mes moments de prière. Après les directs, j'ai mes moments de méditation, j'ai mes moments de prière. J'ai aussi les réceptions, les gens qui m'appellent pour leurs sujets, pour leurs problèmes. Et ça fait que pendant que je finis le direct avec vous, moi, mon, c'est pas fini pour moi. Donc, aujourd'hui, là, j'ai failli ne pas faire le direct ce soir. Après, je me suis dit que j'allais passer un petit moment avec vous. Ça sera pas trop long. Et je vais faire du coaching ce soir. Je voudrais que le Seigneur bénisse ce moment, que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés. Et je voulais dire à une personne, pour commencer, il y a une chose que tu dois savoir. Tu n'es pas né pour souffrir. Dieu n'a pas fait une erreur. Dieu n'a pas fait une erreur pour te permettre d'être dans le ventre de ta mère. Tu sais,
Le jour que tu es né, ta mère était heureuse. Ton père était content. On a dit, un enfant est né. Pour certains même, il y a eu la fête. Il y a eu des cérémonies, il y a eu beaucoup de choses. Pendant que tu grandissais, les circonstances de la vie, t'ont retiré beaucoup de choses. Deux fois, simplement des injures dans la famille. Parfois, des haines, des comportements dans ton entourage, à l'école, un peu partout, tu as dû vivre des choses qui t'ont affaibli. Il y a des gens, quand ils sont nés, ils ont commencé à aller à l'école, ou ils ont commencé à connaître la vie, ils ont dit, oh, moi je vais être président de la République. D'autres ont dit, moi je serai un grand ingénieur, moi je serai un ministre. Et un jour, leur rêve a commencé à s'effondrer à cause des paroles des gens, à cause des comportements des gens, à cause des gens qui les ont trahis, à cause des gens qui n'ont pas cru en eux. Quand ils disaient à leur papa, à leur maman, je vais être une grande star. Oh, toi comme ça, tu vas être une star? Oh, papa, je sais que je peux être président de la République. Toi, président de la République? Oh, va à l'école là, tu vas faire un petit boulot, on va avancer. Il y a des personnes qui ont perdu tout leur sens, leur talent, leur grâce, à cause de leur environnement, à cause des paroles des gens, à cause du comportement des gens. C'est pourquoi remarquez dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, lisez bien votre Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, remarquez bien ce que Dieu fait. Dieu prend le soin de remonter le moral de la personne. Dieu prend le soin de faire comprendre à la personne qu'elle est capable de faire ce qu'il veut lui confier. On ne va pas parler d'Abraham. On ne va pas parler de Noé. On va quitter là-bas. On va pas parler de Noé. On va pas parler d'Adam. On va commencer par Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte la terre de ton père, ta mère, va dans le lieu que je te montrerai, et je ferai de toi ceci, cela. Quand Dieu va apparaître à Isaac, Dieu va changer le nom d'Isaac. Et Dieu dit à Isaac, Israël, je parle de Jacob, je suis un peu pressé. Je parle de Jacob. Et Dieu dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Vous voyez, Dieu change le nom et puis Dieu explique à la personne qu'est-ce que le nom veut dire. Qu'est-ce que tu vas devenir par rapport à ce nom? Il y a une histoire qui me touche, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon ne se sentait pas capable. Gédéon allait faire le travail des femmes, battre le froment. Gédéon allait, c'est-à-dire que là où les femmes sont pour travailler, là, c'est là que Gédéon va se mettre. Il ne se sentait même pas homme. Dieu est venu lui dire, Gédéon, c'est toi qui vas sauver ton peuple. C'est toi. Gédéon dit, ah, Seigneur, tu m'as vu comment? Regarde ma famille. Regarde le travail que je suis en train de faire. Comment tu peux venir choisir une personne comme moi? Malabroche est abassé. Josué
après la mort de Moïse, était affaibli. Josué n'avait plus la force. Josué était abattu. Son héros, celui qui pouvait, celui sur qui il comptait, Moïse, venait de partir. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Prends courage. C'est toi qui vas amener ce peuple à la terre promise. Dieu change la mentalité de Josué par un encouragement. Vous pouvez continuer. Quand Élie était en train de s'enfuir, le Seigneur est venu l'encourager. Continuez, vous allez fouiller. Oh, carton noir me demande, j'ai quoi? Sois béni, j'ai rien. Je suis juste posé, tranquille. Il n'y a rien. Sois béni. Tu es un bon petit frère. Vous voyez, quand vous continuez, la Bible dit que l'ange a apparu à Marie. Et l'ange apparaît à Marie. Et l'ange dit à Marie, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie dit, mais attends, c'est quoi cette salutation? L'ange lui dit, non, c'est toi que Dieu a choisi, Marie. Tu ne te sens pas capable, mais c'est toi que Dieu a choisi et c'est toi qui vas enfanter le Christ, celui qui va sauver son peuple. Les disciples de Jésus, c'était des simples pécheurs, la plupart d'entre eux. Le Seigneur les a trouvés au bord de l'eau. Ils n'étaient même pas capables de pêcher un poisson. Le Seigneur dit, suivez-moi. Désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. Vous avez compris? Vous avez compris? Attendez, je vais bloquer un brouteur. Voilà. Ils ont toujours des histoires à raconter pour escroquer les gens. Ma situation entre le père de mon enfant. Partagez, quand on nous a dit de partager, partagez. Je suis venu dire à une personne ce soir, les gens vont te faire croire que tu n'es pas capable. Si tu te trouves dans une brousse, dans un campement, dans un village, s'il n'y a rien dans ta poche, si en ce moment même, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu vas manger. Je suis venu te dire qu'il y a quelque chose de grand, de fort, de puissant et de bon qui est encore caché en toi, qui peut paraître. Ta situation peut changer. Ta vie peut changer. Ta destinée peut changer. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Ta vie peut changer. Ta situation peut changer. Quelqu'un m'écoute ce soir? Il y a des gens qui sont nés et puis on leur a dit, toi tu es bête, tu ne vaux rien, tu ne vas jamais rien devenir. Même dans la famille, on les insultait comme ça. Leur papa, même deux fois, les insultait. Un bête comme toi. Leur maman dit, regarde-moi, celle-là. Toi, tu vas devenir quoi? Mais parce que ces personnes ont cru en leur destinée, aujourd'hui, leur histoire a changé. Voilà un autre brouteur. Bonjour, je ne peux pas témoigner. Banni. Hop, un autre qui est à côté. Changez votre radication. Banni. Moi, je les bannis très rapidement. Je ne laisse même pas écrire un message sur mon direct. Ce sont des escrocs, des brouteurs qui viennent après escroquer les gens sur Messenger. Je dis à une personne ce soir, Abraham ne savait pas que le Seigneur allait changer son histoire. Le Seigneur a changé son histoire. Gédéon
ne savait pas qu'il pouvait sauver son peuple, que son histoire pouvait changer. Le Seigneur l'a utilisé. Josué était dans la crainte et dans la peur. Le Seigneur l'a utilisé pour sauver Israël. Écoute-moi très bien. Les frères de Joseph ne croyaient pas au rêve de Joseph. La mère de Joseph ne croyait pas au rêve de Joseph. Le père de Joseph ne croyait pas au rêve de Joseph. Excusez-moi, je rigole. Il y a un brouteur qui dit multiplication d'argent efficace. Alors qu'il est pauvre et malheureux, actuellement il cherche à manger. S'il pouvait multiplier l'argent, je le bannis aussi et puis je continue mon direct. Moi, je ne les laisse pas écrire sur mes directs. Je les bannis directement, je les bloque. Personne dans la famille de Joseph ne croyait au rêve de Joseph. Personne. Ils ont dit, mais lui, là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il pense qu'il peut être quoi même? Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, ils se sont prosternés devant Joseph. Je veux prophétiser dans la vie d'une personne aujourd'hui qui est dans les épreuves, qui est dans la souffrance, qui est en train de se poser des questions, qui est en train de se demander comment je vais avancer, d'où va venir l'argent, comment je vais faire, qui va croire en moi, comment je peux voyager, comment je peux me marier, comment je peux enfanter, comment. Une personne qui ne sait même plus comment il faut prier. Je veux déclarer sur la vie de cette personne. Je veux te dire que la grâce de Dieu te localise de là où tu es en ce moment. Lorsque tu entends les paroles qui sortent de ma bouche, sache que le Seigneur a décidé de changer ton histoire. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Tu n'as pas besoin qu'un million, qu'une multitude de personnes t'aiment et t'acceptent. Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Au contraire, laisse les gens même te détester. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Laisse les gens t'haïr. Ça ne changera pas la décision de Dieu envers toi. Ça ne changera pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ça ne changera pas les miracles que Dieu a promis dans ta vie. Ça ne changera pas l'élévation de ta destinée. Ce n'est pas parce que une personne, deux personnes, trois personnes ou 1000 personnes te détestent que Dieu va te détester. Au contraire, à cause de ce que les gens te détestent, Dieu va encore t'aimer plus. Qui m'a dit amen? À cause de ce que les gens te haïssent, Dieu va encore t'aimer plus. Souvent, c'est le nombre de tes ennemis qui augmente la profondeur de l'amour de Dieu dans ta vie. Hey, Sokalabasakaraba. C'est le nombre d'ennemis. Dieu voit que tu as trop d'ennemis. Dieu voit que tu es trop détesté. Dieu voit que les gens veulent te tuer. Dieu voit que tu fais du bien, mais on te fait du mal. Et c'est souvent le nombre d'ennemis qui fait que le Seigneur lui-même multiplie sa grâce dans ta vie. Pendant que les gens te font du mal, Dieu dit, je veux lui faire du bien. Pendant que les gens t'haïssent, Dieu dit, je veux encore l'aimer. Pendant que les gens te détestent, Dieu dit, c'est maintenant que je vais encore l'aimer. Oh, Shakabaraba, Shikaraba. Ils ont attrapé Samson. Quelqu'un, tu vas au lit? Ils ont attrapé Samson. Ils ont voulu humilier Samson, tuer Samson.
Ils ont voulu humilier Samson, tuer Samson. Mais regardez bien, la dernière prière que Samson a faite, malgré même qu'il avait péché contre Dieu, Dieu a exaucé. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Les gens pensaient que parce que Samson était lié, cloué au poteau, au pilier, Dieu ne pouvait plus exaucer Samson. Mais c'est là que Dieu a entendu sa prière. C'est dans les épreuves que Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph dans le puits. Dieu s'est retrouvé avec Joseph en prison. C'est de la prison que Dieu a fait une réunion avec Joseph. Et Dieu a dit à Joseph, je ferai de toi un premier ministre. De la prison, tu peux devenir premier ministre. De la pauvreté, tu peux connaître la richesse. Oh, de la souffrance, tu peux connaître la gloire. De l'échec, tu peux connaître toutes sortes de bénédictions. Je prophétise que ce jour, ce dimanche, soit un jour béni pour toi. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine d'élévation, de prospérité. Que les portes s'ouvrent pour toi. Bien-aimé, souvent je suis là. Je prie pour beaucoup de personnes. Mais, quand tu pries pour des gens, tu as des besoins aussi. Tu ne peux pas appeler tout le monde pour dire, j'ai tel problème, j'ai tel besoin. Donc, j'ai qui? J'ai que le Seigneur. Je suis là. Je prie. Ce qui me plaît, je suis là. Quelqu'un à qui je n'ai pas pensé où j'ai pensé. Papa, ça va? Oui. Tu es en France? Oui. Est-ce que tu as PayPal? Oui. Je t'envoie quelque chose. Papa, ça va? Oui. Est-ce que tu peux toucher Ria? Oui. Je t'envoie quelque chose. Papa, j'ai Orange Money à t'envoyer. Donne-moi le numéro. Mais, excusez-moi de vous rendre ce témoignage. Mais ces petits moments-là, c'est-à-dire que je ne prends pas le téléphone pour dire, oh, mon fils, frère, c'est pourquoi si quelqu'un vous écrit sur Messenger, si quelqu'un vous écrit pour vous dire, oh, ma fille, j'ai tel problème, j'ai tel, je vais avoir l'argent, après je vais te rembourser, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je prie. Quand je n'ai plus de mots, je regarde le Seigneur. Et je dis, Seigneur, je suis là, je suis ton serviteur. L'ouvrier mérite son salaire. Je travaille pour toi maintenant. À toi d'agir. Et Dieu le fait. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu a une solution. S'il n'a pas encore agi, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas encore le temps. C'est-à-dire que le moment n'est pas encore arrivé. Il attend l'heure, il attend la seconde, il attend la minute, il attend le moment favorable pour agir pour toi. Je ne veux pas que tu te décourages. Ma soeur, tu es en France, tu es en train de travailler dur. Oh, je n'ai pas encore payé mon terrain. Si je pouvais construire au pays, je vais aller rester au pays. Oh, je souffre trop. Le travail ici est trop compliqué. Et puis je suis seul. Je n'ai même pas un mari pour m'aider. L'Éternel est ton soutien. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ton mari. L'Éternel est celui qui a choisi le terrain d'avance. Le Seigneur est celui qui te donnera les moyens pour acheter ce terrain. L'Éternel est celui qui te donnera les moyens pour construire cette maison. L'Éternel est celui-là qui a déjà tout planifié. Chers frères et sœurs, on a eu un long moment d'enseignement sur les œuvres de la sorcellerie familiale. Je voulais faire une petite pause. Et à partir de cette semaine qui va commencer, on va commencer encore d'autres proclamations.
on va poser des actions prophétiques. Je voulais faire ce direct juste pour encourager quelqu'un. Pour lui dire, change de mentalité. Change de mentalité. Même si tu n'as rien dans la poche, ne crois plus que tu es pauvre. Même si tu n'as rien à manger, ne crois pas que tu es maudit. Même si tu as échoué plusieurs fois, ne crois pas que tu es né pour échouer, que tu es maudit. Les choses vont changer. Si tu veux que les choses changent, change ta mentalité. Dis, je suis né pour réussir. Je réussirai. Tout ce qu'ils t'ont dit pour dire que tu es maudit, enlève dans ta tête, jette et dis, je suis béni. Ou ils ont dit que tu ne réussiras pas, enlève dans ta tête et dis, je réussirai. Enlève tout ce qui est négatif de ta pensée, de ton âme, de ton esprit. Même si un médecin t'a dit, tu vas mourir, dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rendrai témoignage de ma guérison. Frères et sœurs, que vos pensées deviennent positives. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont devant vous. Oubliez le passé. Oubliez les échecs. L'argent qui est perdu là, tu ne peux plus aller ramasser. Les gens qui t'ont trahi là, tu ne peux pas changer la situation. Ta maison que tu as perdue, ce n'est pas grave. Tout ce que tu as perdu, même la personne qui est décédée, sur qui tu comptais, s'il te plaît, oublie le passé. Je t'en supplie, oublie le passé. Le passé va te ralentir. Oublie le passé. Prends la douleur du passé. Mets dans un sac, dépose ça quelque part, jette ça loin de toi. Pense au futur, pense au présent et pense au futur. Et commence à confesser le positif dans ta vie. Commence à penser le positif dans ta vie. Commence à rêver au positif. Commence à visionner le positif. Quand tu vois une maison qui te plaît, dis je la possède. Quand tu vois une voiture qui te plaît, dis je possède. Ce que tu veux. Ne fais pas des prières, Seigneur, si tu veux, bénis-moi. Dis, Seigneur, je déclare que je suis béni. Parce que je ne suis pas né pour être maudit. La grâce est sur ma vie. L'élévation est sur ma vie. Appelle les millions dans ta vie. Appelle les milliards dans ta vie. Appelle la richesse dans ta vie. Mais le problème que nous avons, c'est que nous vivons notre vie par rapport aux autres. Nous voyons notre vie par rapport à ce que nos ennemis disent. Mais voilà, quelqu'un va venir me dire « tu es vilain ». Je sais que je ne suis pas vilain, moi-même je me plais. Pourquoi ça va me faire mal? Nous vivons notre vie par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce que les gens disent. Et nous voulons souvent ressembler aux autres. Ne cherche pas à écouter gauche ou droite les gens et ne cherche à ressembler à personne. Tu es unique. Quelqu'un m'a entendu? J'ai eu envie de faire mon direct aujourd'hui, couché dans mon lit, tranquille. Je l'ai fait. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Ça peut plaire à quelqu'un. Ça peut dire, quelqu'un ne peut ne pas aimer. Oh, pourquoi un pasteur se met dans son lit? Mais en fait, je m'en fous. Je me sens à l'aise. Je suis posé. C'est ce que mon âme voulait. C'est ce que mon corps voulait. C'est ce que ma pensée voulait. C'est ce que mon esprit voulait. Et je le fais. Vis ta vie et laisse Dieu orienter ta vie. Ne fais plus les choses par rapport aux gens. Je suis tombé sur une vidéo d'un certain. Il fait appeler son émission Jésus-Christ TV. Or, c'est Satan TV parce que c'est un escroc. C'est le plus grand escroc du corps de Christ. C'est pour l'argent, pour les étoiles, pour le buzz, pour avoir l'argent. Tout ce qu'il s'est fait dans sa vie, il ne s'est pas prêché l'évangile, il ne s'est pas sauvé les âmes, il s'est fait des montages de vidéos pour critiquer. Il critique tous
tous les hommes de Dieu du monde entier. Quand il y a un homme de Dieu quelque part, il faut que le critique. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes là, il n'y a pas un vrai homme de Dieu sur la terre. C'est lui seul qui va hériter le paradis. C'est lui seul qui va s'asseoir dans le paradis, il va danser avec Jésus, il va faire tout. Et je suis tombé sur une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, il parlait des bagues. Les hommes de Dieu qui ont des bagues sont sataniques et tout. Mais en fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que moi, mes bagues là, je les aime. Je sais combien je les ai achetées. Et puis, c'est pas sur son doigt je mets. Je vais mettre ça aujourd'hui. Je vais mettre ça demain. Je vais mettre après-demain. Celui qui veut s'approcher de moi, celui qui veut se retirer de moi, celui qui veut croire en mon ministère, celui qui veut y croire pas, mais je reste qui je suis. Je ne vais pas aller me promener en caleçon. Je ne vais pas me dépouiller de ce qui me plaît. J'aime ma montre. Quelqu'un a dit, la montre là est satanique et puis elle jette. J'aime ma bague. Une bague en or, j'ai fait confectionner, qui coûte presque 5000 euros, peut-être même un peu plus. Je prends cette bague, je la jette, parce que il y a un satanique qui cherche l'argent quelque part, qui dit que bague est... Mais s'il veut, il n'a qu'à garder le paradis pour lui seul. Mais moi, je porte ma bague. Je veux porter bijoux, je porte. Je veux porter chaîne, je porte. Quelque chose me plaît, je porte. Je veux porter casquette, je porte. Ça ne me plaît pas, je ne porte pas. C'est moi qui décide, c'est ma vie. Celui qui veut, il critique. Celui qui veut, il parle. Celui qui veut, il aime. Celui qui veut, il n'aime pas. Mais je suis en paix. Donc, vis ta vie. Vis ta vie. Tant que tu es en relation avec Dieu et que tu sais que tu es en communion avec Dieu, ne laisse personne influencer ta destinée. Un pauvre type qui dort dans un HLM aux États-Unis, qui passe son temps à critiquer tous les hommes de Dieu du monde entier. Dieu merci, il m'a mis parmi les grands hommes de Dieu. Il a critiqué William Duncan, il a critiqué tous ces grands hommes de Dieu qui portent bague, il m'a mis dans leur groupe. Grâce à lui, je reconnais que je suis un grand homme de Dieu. Il a fait ma pub et m'a mis à l'honneur. Mes bagues là, je vais porter. Et j'ai vu même une photo qui m'a fait rigoler. Il a encerclé l'alliance d'un homme de Dieu. L'alliance, alliance, quand tu fais un mariage. Alliance que tu portes là, il a encerclé pour dire que c'est satanique. Quelqu'un, tu vas au lit? Elle dit, au lit, ok. Alliance. Il a encerclé Alliance. Pour dire que Alliance, là aussi, est satanique. Il rigolait comme ça. Il dit, vraiment, les temps sont durs. Hein. Pour cesser l'argent, là, vraiment, les gens sont capables de tout. Critiquer ses frères, critiquer des gens. Oh, sa chaussure est longue, c'est satanique. Son chapeau est long, c'est satanique. Il a porté Alliance, c'est satanique. Il a apporté, bon, si toi tu es célibataire ou tu n'es pas marié, que tu n'as pas alliance, celui qui est marié qui a porté son alliance est démoniaque. Donc tous les hommes de Dieu qui portent au bac sont démoniaques. Moi je porte ma chevalière, je porte mon bracelet, je porte mon alliance, je porte ce que j'aime. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est pour vous dire que souvent ce qui vous fait du bien, ce qui fait que vous êtes à l'aise, là. Le diable va envoyer quelqu'un pour critiquer ça. Pour vous dire que ça ne vous va pas. Mais c'est votre vie. Femme, si tu veux marier un pygmée, que tu te sens à l'aise avec un pygmée, il faut le marier. Si c'est le mécanicien du quartier que tu aimes, il faut le prendre. Écoutez-moi bien. Homme, si c'est la folle du quartier que tu veux épouser, c'est avec elle que tu te sens à l'aise, il faut l'épouser. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est le plus important. Est-ce que le Seigneur m'aime? Est-ce que je suis en relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment je me sens avec le Seigneur? Si c'est correct, tu dis, Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta grandeur.
Vous savez, il y a une chose que mon père spirituel m'avait dit. Je retiens ça. Il m'a toujours dit, tu es un arbre qui a beaucoup de fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits, personne ne va s'intéresser. Mais un arbre qui a de bons fruits, beaucoup de fruits, tout le monde va s'intéresser. Mais les gens qui vont s'intéresser, il y a d'autres qui vont vouloir cueillir les fruits avec un caillou, avec un bâton. D'autres vont grimper. D'autres vont attendre que le fruit tombe d'abord. Deux fois, l'arbre n'a plus de fruits, mais cet arbre va reproduire le fruit. Tu es cet arbre. Et les gens disent souvent, quand tu n'es pas important, on ne parle pas de toi. Il y a des gens qui sont là, on n'a jamais parlé d'eux. Il y a des gens qui sont là, on n'a jamais parlé d'eux. Hein? Tu vas parler d'eux, ils ne sont pas importants. Mais quand on commence à parler de toi, c'est que tu es important. C'est que tu as quelque chose. Si les gens te critiquent, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Si les gens te calomnient, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Si les gens ne t'aiment pas, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Si les gens te détestent, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Écoute bien ce que je te dis. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Moi, je suis convaincu d'une chose. Celui que Dieu a béni, celui que Dieu aime, personne ne peut le maudire. Celui que Dieu protège, personne ne peut le toucher. Et puis Jésus même là, Jésus-Christ de Nazareth, il avait des ennemis. Jésus, qu'on adore. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Ils le critiquaient, ses propres frères. Sa maman Marie croyait en lui, mais ses frères ne croyaient pas en lui. Les gens de son village ne croyaient pas en lui. Les gens de sa ville ne croyaient pas en lui. Ses propres parents ne croyaient pas en lui. Et ce sont ses propres parents qui sont allés le crucifier. Il chassait les démons pour leur faire du bien. On dit, oh, toi tu chasses les démons par les démons. Toi tu es le fils du diable. Jésus a été traité de satanique. Jésus a été traité de possédé. Jésus a été haï. Et puis c'est toi, homme. Toi qui pêches tout le temps. C'est toi qui veux que tout le monde t'aime. C'est toi qui veux que tout le monde t'applaudisse. À partir du moment où tout le monde commence à t'aimer, où tout le monde commence à t'applaudir, sache que tu n'as pas longue vie. Si tout le monde commence à t'aimer, tout le monde commence à t'applaudir, sache que il y a des milliers d'hypocrites autour de toi. Sache que parmi tous ceux qui t'applaudissent, il y a des empoisonneurs, il y a des haineux, il y a des jaloux. Tu comprends bien? Si tout le monde commence à t'applaudir là, il faut avoir peur. Tu ne vas pas vivre longtemps. Si tout le monde commence à parler bien de toi là, aïe aïe, il faut faire attention à ta vie. Quand tu as des ennemis, il faut te dire que tu es en sécurité. Quand les gens te haïssent aussi là, il faut te dire que quelque part ça va. Mais si tout le monde dit que tu es bon, tout le monde dit que tu es comme ça, tout le monde, il faut savoir que tu es en danger. Tu es en danger. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Que la puissance de Dieu vous localise. Quel que soit le trou dans lequel vous vous trouvez, que Dieu vous fasse sortir. Quel que soit le blocage qui est sur votre chemin, que le Seigneur le bouscule et le brise maintenant. Je prie que des mains bienfaisantes se souviennent de vous. Je prie que les personnes qui vous ont oublié se rappellent de vous. Je prie pour votre vie, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Que ce mois de décembre soit un mois de témoignage, soit un mois de bonnes nouvelles. Si une maladie vous fatiguait,
Que cette maladie prenne la fuite au nom de Jésus. Je prie que les anges de l'Éternel vous localisent, se souviennent de vous, vous apportent grâce, vous apportent bénédiction, vous apportent élévation. Je prie pour que ton visa pour lequel tu es en train de lutter puisse maintenant être correct, qu'on te donne. Je prie que ton voyage ait lieu. Je prie que la grossesse qui a commencé, cette grossesse que tu viens d'avoir, se passe très bien, que tu enfantes dans de bonnes conditions. Je prie pour toi qui es stérile, que cette année, Dieu te fasse connaître la joie d'enfanter. Je prie pour toi qui veux te marier. À chaque fois, les gens s'approchent de toi et s'en vont. Que le Seigneur te donne maintenant la femme qu'il faut ou le mari qu'il faut. Je prie pour toi qui es fiancé et qui est en train de vivre des difficultés. Que le Seigneur règle ce problème, cette épreuve, cette difficulté, afin que ton mariage ait lieu. Je prie maintenant, toi qui cherches du travail ou qui veux entreprendre, qui est dans une situation de blocage quelconque, que le Seigneur débloque la situation. Que ce mois vous donne de très bonnes nouvelles. Que les anges de Dieu soient auprès de vous. J'ai interdit à tout sorcier, j'ai interdit à tout mystique, tout satanique, de pouvoir s'approcher de votre environnement. Que la puissance de Dieu vous environne. Que la gloire de Dieu vous environne et que le sang de Jésus vous encercle. Que toutes les promesses qu'on vous avait faites dans l'ombre puissent maintenant s'accomplir au nom puissant de Jésus. Que l'ange de la bénédiction soit à votre chevet. Que l'ange du miracle soit à votre chevet. Que l'Esprit de Dieu vous localise de là où vous êtes et vous donne tout ce que votre cœur désire. Seigneur, je prie pour tes enfants que cette semaine qui va commencer soit une semaine de grâce, de bonnes nouvelles, de prospérité, de l'élévation et de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une personne pour qui l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier. Je ne sais pas. Katiana Soro. Katiana Soro. Je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai vu ton nom, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te parler. Je n'avais pas prévu ça dans le direct, de parler de quelqu'un. Katiana Soro, écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je me trouve au bord d'une eau. Mais cette eau-là, c'est bizarre dans mon image. Tu as l'impression que c'est un lac. Et tu as l'impression que c'est une mer. Parce qu'elle est petite comme genre un lac, mais en même temps, il y a des vagues. Et le Seigneur est en train de me montrer des vagues. Il dit, regarde la vie de ma fille. Parle-lui aujourd'hui. Je vois les vagues. Un moment, c'est aplati, c'est aplani. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. Un moment, je vois les vagues qui s'élèvent. C'est fort. Ça secoue, ça tombe, ça s'aplanit. Le Seigneur dit, tu as connu des épreuves dans ta vie. Je suis en train de voir de très grandes épreuves. Et pendant que je parle d'épreuves, je vois comme si c'est des épreuves qui concernent la vie privée, la vie sentimentale. Lorsque je suis en train de prophétiser, Katiana Soro, tu peux marquer, si c'est oui, si c'est vrai, tu peux marquer en commentaire. Je vois comme des problèmes de famille, de cœur. Je vois qu'on t'a brisé le cœur une fois. On t'a brisé le cœur deux fois. On t'a brisé le cœur trois fois. Je reçois une vision, je ne te connais pas, mais je vois une personne assise en train de pleurer. Et je vois comme si tu es en train de pleurer et tu es en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce genre de situation ne peut pas continuer dans ma vie. Et pendant que je te regarde en train de pleurer, je regarde autour de toi, je vois comme s'il y a des choses qui sont tombées, on dirait du cafouillage. Et l'Esprit de Dieu me dit, elle a perdu beaucoup de choses. Malabro kota la mafasa. Elle a perdu beaucoup de choses dans les épreuves. Femme, je suis en train de parler de toi, je ne te connais pas. Tu dis, oui papa, c'est vrai. Ok, je vois ton commentaire, oui papa, c'est vrai. Elle a perdu beaucoup de choses dans les épreuves. Mais l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui, j'ai entendu sa prière. Dieu me dit que tu as fait une dernière prière il n'y a pas longtemps.
Je suis en train de voir que dans cette prière, tu pleurais. Ça ressemble à un jeûne. Et je vois aussi que tu as tendu la main à quelqu'un. On dirait que tu as fait une offrande ou tu as fait un don. Et le Seigneur est en train de me dire, dis-lui que je l'ai exaucé. Je vais restaurer maintenant sa situation. Et pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un. Je vois un monsieur. C'est un monsieur. À côté de ce monsieur, il y a une femme. J'ai l'impression que c'est sa mère, sa tante ou quelqu'un que le monsieur respecte. Mais le monsieur t'a fait dos. Je vois que le monsieur a fait dos. C'est le dos que je vois. Et toi, tu es avec moi. Et je regarde le monsieur de dos. Mais pendant que je suis en train de parler, le monsieur se retourne. Je le vois se retourner. Il te regarde. Il te fait un sourire. Et je vois qu'il vient vers toi. Mais le monsieur qui est en train de venir vers toi, excusez-moi, je bloque encore un autre bouton. Le monsieur qui est en train de venir vers toi, je vois un sac dans sa main. Je vois un sac dans sa main droite. Je vois une mallette dans sa main gauche. Et je te vois heureuse, mais étonnée de ce que lui-là, il revient vers toi. Dieu me dit de te dire, ils t'ont rejeté. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont repoussé. Mais maintenant, ils reviennent avec force, avec puissance vers toi. La personne qui a brisé ton cœur, la personne à cause de laquelle tu avais pleuré, est en train maintenant de faire demi-tour. Il y a une personne qui est en train de regretter. En ce moment, je te parle. Il y a une personne qui est en train de regretter. Et il y a une personne qui est en train de dire, je vais aller lui demander pardon. Je vais aller réparer la situation. Katiana Soro, je ne te connais pas. Est-ce que ces paroles que je viens de dire te concernent? Ah, les brouteurs là, ils sont beaucoup. Ils sont assis quelque part là-bas, couchés sur une natte, en train d'envoyer des messages famille. J'ai tel témoignage. Je suis trop content quand je bloque ceux-là. Est-ce que ça te concerne? Elle est où? C'est pas la peine de pleurer chez toi. Viens commenter. Commente. Si Dieu t'a parlé, dis-nous que Dieu t'a parlé. Je ne vais pas durer dans le direct. Je vais arrêter le direct. Je veux ton commentaire. Saint-Esprit, avant qu'elle ne vienne écrire, je bénis la vie de tous ceux qui me suivent. Elle dit, tu dis amen, 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 je reçois la prophétie. Ce que moi je veux savoir, c'est bien tu reçois la prophétie, mais il faut juste me laisser un commentaire. Est-ce que les paroles qui sont sorties te concernent? C'est ça qui est important. Recevoir la prophétie, c'est bien, mais est-ce que les paroles là, là, ça me va. Oui, papa, tu as tout dit. Ça me va bien. Ce commentaire-là me prouve que Dieu t'a parlé. Oui, papa, tu as tout dit. Je prie pour tous ceux qui me suivent. Je prie pour la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Apolline Peggy, il y a une très bonne nouvelle, une très grande bonne nouvelle qui va atterrir dans ta vie bientôt, très bientôt. Avant la fin de ce mois, à Pauline Peggy, il y a une très bonne nouvelle qui va atterrir dans ta vie. Au nom de Jésus. Excusez-moi, je ne voulais pas faire un direct de prophétie. C'est juste l'Esprit qui m'a orienté. Voilà, c'est juste l'Esprit qui m'a orienté. Donc, Omar Karabakoshi. Zachary, quand ça commence comme ça, pour arrêter aussi deux fois, c'est pas facile. Akanadia, tu as une grâce en toi, il faut que tu la développes. C'est un don de révélation. Il faut que tu la développes. Dieu veut te montrer beaucoup de choses. Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer beaucoup de choses. Il faut développer ce don. Maintenant, par le Saint-Esprit, je prie pour chacun de vous. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Que la puissance de Dieu vous environne. Andy Aoya, sois béni pour ta fidélité. Sois béni Luc Le Bonnon. Sois béni. Tu salues Laura pour moi. Qu'elle soit bénie.
Salomon Beugré, sois béni. Que la grâce de Dieu vous localise tous, que la puissance de Dieu vous environne, que ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit donné. Au nom de Jésus. Il y a Divine Dani qui dit, elle dit, les brouteurs aiment ta page là. En tout cas, ils aiment trop ma page. On dirait que c'est ici, là, ils viennent chercher les victimes. Je les bloque, oh, je les bloque. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent prier avec moi, qui veulent des actions, voilà. Tous ceux qui veulent des actions prophétiques exceptionnelles, ils veulent que je leur explique dans telle situation, quelle action ils peuvent poser, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel combat ils peuvent faire. Hein? Contactez ma secrétaire. On ne peut pas tout faire sur les directs. Le numéro de mon secrétariat, c'est le plus 33. 0033. 6 24 08 56 89. Allez-y sur ma page là, la photo de ma page d'accueil. Il y a tous les numéros qui sont dessus, sur ma page d'accueil de Facebook. Mon numéro à moi, vous le voyez. Moi, ne m'appelez pas directement, je ne vais pas vous décrocher. Laissez-moi un audio, laissez un message ou un audio. Maintenant, vous pouvez aussi contacter ma secrétaire, comme je l'ai dit, au plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Vous prenez un rendez-vous. La situation que tu vis là, on va discerner ça. S'il y a une action prophétique que tu dois poser, on va la poser. Actuellement même, j'ai deux colis que je dois envoyer à deux personnes en Angleterre pour des actions prophétiques parce que j'ai béni des éléments pour eux, je dois les envoyer. C'est des personnes qui sont en contact avec moi. Même si je ne me déplace pas, si je dois poser des actions, bénir des éléments, t'expédier quelque chose, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous. On ne peut pas tout faire sur les directs. Donc contactez le secrétariat. Et puis, sinon, si vous avez mon numéro, laissez aussi un audio ou un message, je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne voulais pas durer dans ce direct. Vous voyez, je suis bien posé tranquillement dans ma petite chambre ici, en train de méditer. Voilà, je bénis tous ceux qui veillent sur mon ministère, qui me soutiennent. Ceux qui ne m'ont jamais fait d'offrande, mais qui ont reçu de ma part. Ceux qui m'ont jamais béni, mais qui ont été édifiés. Que Dieu aussi parle dans votre cœur. Et sachez que l'ouvrier mérite son salaire et qu'un homme de Dieu, il vit, un autre brouteur à banni. Il vit des soutiens de ceux que lui soutient. Donc Dieu bénisse ceux qui le font déjà, ceux qui ont à cœur de le faire, que Dieu les bénisse, ceux qui ne le font pas, qui n'ont jamais fait, que Dieu les bénisse et leur donne la possibilité de le faire. Shalom, on va se retrouver certainement à lundi ou mardi pour reprendre nos directs de prière. Ça sera au bureau. Au revoir, que Dieu vous bénisse.